disais lors d'une émission qui précédait le FEMIA qu'il avait l'impression qu'il allait partir sur scène. Parce qu'il se sentait souvent comme dans un ciel quand il était sur un plateau et tout. Ben, c'est peut-être que c'était d'une manière prémonitoire. C'est une référence. En Afrique, je vous disais que c'est quelqu'un qui a marqué la modernisation de la musique africaine. Il fait partie des pionniers. S'il ne l'a pas créé, cette musique, je crois qu'il fait partie de ceux qui l'ont amené très loin. Donc pour moi, j'ai vraiment un énorme respect pour lui. C'est quelqu'un de formidable. Oui, ça va. La vie, elle est inconsolable.